Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Open Size 4. On est en paix, presque. Il reste juste les mamelouks à faire sortir dans 3 jours. Et j'ai eu un message, Gen attaque Tlemcen. Donc, Gen doit avoir des revendications. Ouais, ils ont une mission, conquérir Tunis ou je sais pas trop quoi. Le fait que j'ai sorti tous les alliés de Tlemcen, ça fait qu'on va peut-être se retrouver avec Gen sur la côte africaine. J'espère qu'ils vont perdre. Mais j'en sais rien. Rien du tout. Ils sont quand même très gros. Il y a moyen qu'ils gagnent. Texte, toujours pas la bonne. Pas, toujours pas une des deux bonnes que je peux faire. Et avec les Mamelouks, on a reçu notre diplomate. C'est parti. On est à 108%. Je pense pas qu'il y ait des rebelles. Se déclare comme ça et on a fait conquérir le Hedjaz. Et maintenant on doit conquérir Mocha. J'ai ces revendications là aussi depuis très très longtemps. On est en train de bouger vers Kaffa. 86. Ça va aller très vite, légitimisation. Pour la plupart. Parce qu'elles sont de culture bédouine. Ah, ou Hedjaz, non? Ou bédouine, d'ailleurs, ça dépend. Les deux sont vrais. Ajoutons tout le monde à la compagnie commerciale. Ouais, on va la laisser tout seul. J'ai aussi des revendications sur le Langzang et le Gujarat. Oh, fallait que je l'attaque avant qu'il se trouve un allié. C'est trop tard. C'est pas si grave. C'est juste que j'ai des liens en plus maintenant. Je peux en profiter pour reprendre quelques provinces à Delhi. Pourquoi pas un petit passage? Et j'ai encore de quoi faire une revendication sur le Gujarat. Pas encore. On n'est pas encore à 30. Ouais, donne des provinces à mes vassaux, c'est pas super et bien. Alors j'ai commencé des conversions qui avancent doucement, mais sûrement, c'est l'important. Et on a gardien des villes saintes, plus de légitimité annuelle, ça c'est chouette, et plus de missionnaires. J'aurais plus d'utilité à la légitimité annuelle que au truc à missionnaire. On est censé gagner 2 par an, c'est plutôt fort. C'est non, tu ne passes pas chez moi. Ah, il est en guerre aussi contre le Portugal. Ouais. Bah, je donne pas très cher de sa peau à se faire manger par d'autres que moi. On a toujours 3 colonies. En vrai, je pourrais en faire plus, mais ça commencera à coûter vachement cher. Colonies. Ça me coûte 16 là. Ça me coûterait 32 pour 16 de plus pour faire une seule colonie en plus. Vous. Hop. On va ramener mes bateaux près du Gujarat. Et ceux-là, ils vont bouger vers Delhi. Le Portugal ne passera pas. Ses armées vont s'approcher par là. Très longtemps que j'ai pas attaqué la Transoxiane. Ils ont encore beaucoup d'hommes. Je dois pas avoir beaucoup de revendications. J'en ai absolument pas. Et... Dernière revendication sur le Gujarat. Faites. Siak. Je n'ai plus besoin du droit de mouillage. Je vous en remercie. Vianakra attaque parce que je lui ai laissé du Bahamani. Faudra que j'aille l'attaquer aussi un jour. Pour l'instant, il est à moins de 50% d'expansion agressive. Ça peut être intéressant à conserver les choses dans cet état. Combien représentent encore les Mamelouks? 143. Ils ont définitivement des provinces riches autre part. Alors, une là, 8.
Une à 8. Là, une à 3. Une à 6. Ils ont beaucoup de provinces colonisées, en fait. Ça fait que... présente toujours plus de sang de score de guerre. Mais ça ne m'empêchera pas de les manger. Moscovie, je crois que la trêve se termine dans un an, c'est ça. Toujours un soldat dans le coin. Une armée dans le coin. On va leur en envoyer une autre. Et on va recommencer activement le réseau d'espionnage. Alors, qui j'attaque d'abord? Kaffa? Non, faut que je fasse une deuxième revendication d'abord. Se fait rapide. Ils auraient le Darfour avec eux. Darfour est allié à N'Goré. Ne l'attirons pas dans la guerre contre nous. Foggy, je suis sûr que c'est une province pas trop. C'est celle-là qui est très développée. Ouais. Qu'on préfère éviter. Voilà, ça sent la fin du Darkfour. Et une bonne tranche pour moi dans Kaffa. On a passé le cap de la moitié du succès fait en 240 ans. Il m'en reste 140, 100 années de moins, pour faire autant. Ça se tient, ça se tient. Mais ça implique. D'ailleurs, on va focus Delhi. Changement de plan, toi. Ah, Guild, ouais. On a une armée dans le coin, utilisons-la. Celle-là aussi, on va l'utiliser pour ce port-là, capitale. On va leur laisser, je pense, leur petite poche ici et prendre les provinces qui traînent. Traînent, plus ou moins, mais bon. Qui font tâche dans mon pays. Je suis sympa parce que je leur laisse un pays côtier. Ils auraient pu avoir la même chose, mais à l'intérieur des terres, complètement encerclés par moi. On recommence sa revendication sur le Bengale ou sur Bahamani ou sur la Transoxiane. Alors, se justifiant par l'aversion entre les guerres de conquête incessantes des Ottomans, quelques de nos commerçants ont décidé d'expulser nos marchands. Oh, les vilains. C'est vrai que je fais des guerres incessantes. Vieux ronchon, après tout, bon débarras. Indiqué par notre politique étrangère orientée vers les conquêtes, un éminent conseiller a démissionné et quitté le pays. On dirait les vidéos de Fuse. Notre ministre a quitté le pays parce que on faisait pas assez de guerre. Lui, c'est plutôt ce cas. Restrictions sur les constructions de Dimi. Ça fait quoi? Tolérance envers la seule vraie foi et pas de tolérance envers le paganisme. Virons-le. J'en ai pas tant besoin. Et ça me colle de l'agitation dans des provinces qui sont déjà plus susceptibles d'être agitées parce que de la mauvaise religion. Delhi va occuper là-bas, ça c'est une bonne tactique pour fuir le combat. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, et eux ils sont en train de siéger par là. Moscovie, c'est fini. Oh, ouais, ils ont. Ah, 20 000 hommes chacun, mes vassaux. Le doigt Wessir est quand même beaucoup plus gros sur la carte, mais aussi beaucoup moins riche. Alors j'ai pas été assez rapide pour prendre des provinces directement. Je prendrais bien les deux dernières tâches là-haut.
Sacha Deli. Fin du fort. Ça, c'est une guerre qui va être vite expédiée. Ah, j'ai un conseiller qui est parti. Faut que je me refasse. Ils occupent chez moi, mais j'ai un pays tellement géant. Même mes vassaux, ils se disent non, ça vaut pas la peine. Ne prenons pas le temps de nous occuper d'eux. Allons directement siéger les forts. Delhi, il manque un gros fort. Toujours. Oh là là, il manque plus rien. Ils prennent 53 de score de guerre alors que j'ai tous leurs forts. C'est des grosses provinces, ça, je crois bien. Sinon, elles ne seraient pas restées là, à mon avis. Sauf peut-être celle-là. On va plutôt prendre ça. Ça leur paraît trop. Ils ont perdu, je sais pas ce que. Ah, il manque un fort, d'accord. Fin du siège de l'Asta. Rachor. Une fois que Delhi sera parti, ce sera fini d'eux. Allez, tombe, petit fort. Fin du siège de Kaffa. Ils occupent, qu'ils occupent, qu'ils occupent. Ça ne me préoccupe pas. Dans les provinces. Attendez, vous là. Finalement, vous avez siégé ces provinces là. Toi là, toi là. Toi là. Il y en a un pour chaque province, ouais. Et toi là. Ils auraient dû rester au pays. Ils n'ont pas des points pour raison commerciale. J'ai toujours tous mes bonus, sauf celui avec les marchands. Administrative, puissance militaire. Mince, c'est les marchands qui rapportent de la puissance diplomatique. Prenons ce bonus. Je sais pas pourquoi je peux pas les retirer. La loyauté de l'ordre doit être supérieure à son influence. Ok. Marchands sont très influents. Alors qu'ils ont. Si, ils ont une grosse part du pays en fait. Bon, allez, Delhi. Pas sérieux ça. Voilà. Je pense que tout ce que je demanderai en plus, ce sera refusé. J'ai envie de faire la paix rapidement. J'ai plus personne pour demander la paix. Ah mince, j'ai des fanatiques réformés. Je faisais pas du tout attention. Utilisons le reste de notre flotte. Pour faire passer quelques troupes. Gujarat, donnez-moi ce que je demande. Qu'est-ce que je peux demander? Pas trop riche. Tout sauf la capitale, en fait. Je peux demander tout ça. Ah, j'ai dépassé. Ce sera bientôt un dépassement vraiment mineur. Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'attende avant de faire la paix avec Kaffa. On n'est pas pressé de gagner. On va jouer un peu avec la montre en allant les attaquer là-haut. On a bien augmenté notre puissance.
Laurée, j'ai pas pris de province. En prenant les provinces à Delhi. Non, j'ai dû les prendre dans le nœud du Doab. Ah, j'ai. Si, j'ai pris les deux tâches. Je savais plus si j'y avais pensé. Légitimité, j'en ai absolument besoin. Ah, ça a chassé, ça a chassé mon missionnaire. J'ai un marchand disponible. Comment fonctionne exactement le bonus? J'ai l'impression que tous mes marchands font du transfert tant que ça va à peu près dans la direction de Constantinople. Que j'ai le contrôle complet ou pas. L'Éthiopie, ça part vers le golfe d'Aden au lieu d'aller directement vers Alexandrie. C'est pas bien grave. Après golfe d'Aden, je préfère faire passer par Hormuz et Bassora. Où est-ce qu'on peut tirer la Sibérie? Il y a quelqu'un qui tire, je sais pas qui, dans la bonne direction. C'est la Transoxiane. Ici on a un marchand et on tire pas beaucoup. Ici ça tire. Sinon on peut mettre un marchand dans genre Bassora. Pas un nœud où j'ai besoin d'avoir un marchand parce que ça tire déjà dans la bonne direction. Mais ça va me booster peut-être un peu plus le contrôle. Désagrément mineur. Plus ça fait plus 10% à Constantinople et 10% de je sais pas ce que c'est le truc de base, peut-être 80. Oh, non! Je gagne 125 multiplié par le pourcentage. Donc ça fait 12 ducats de plus par bonus de 10%. Franchement, c'est beaucoup. On va vraiment y aller lentement. Juin 87, c'est long. Réunissons les colons. Colonie autosuffisante. Il est temps d'en relancer une alors. Où ça? Je ne sais pas trop. On peut aller jusque là-haut. Continuons les provinces un peu loin. Sinon, je peux faire des provinces qui n'ont pas la tribu arctique, mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Doriath, il a des bons alliés? Pas du tout. Il est allié à son voisin du sud, qui lui est allié à la Transoxiane, c'est plus gros, mais. Je dis que ça mérite. Un réseau d'espionnage. Soit je les mange, soit je les vassalise. J'ai des provinces légitimes Bouriates, franchement. En effet. Et c'est de la culture Bouriate, donc il n'y a pas de chance qu'ils fassent disparaître. Les Mandchous, ils sont beaucoup plus petits qu'avant. Mais pas suffisamment en bon terme avec moi pour la vassalisation. Sous la distance de frontière à frontière qui leur fait peur. Et ils considèrent qu'ils sont quand même riches par rapport à moi, ce qui est assez impressionnant. Ah oui, donc moi j'ai fait une armée ici. En vrai, je mets un super général et le tour est joué. Je me disais que ça avançait pas. Et j'avais oublié de démettre en pause. Voilà, il y a plein d'embargos qui ont été levés. Par la Colombie portugaise. Rio da Prata. Ils ont dû les. Waouh! Le Portugal, on va finir par se retrouver en conflit quand je voudrais l'état d'Alger par exemple.
apprenez beaucoup très vite. Ah, je peux pas prendre ça. On va prendre la tech militaire pour pas être en retard. On est à 20 minutes d'épisode, hein, je pense à regarder. Bon, allez. On est en 67. Après tout. Est-ce qu'on fait des revendications sur la Pologne? Ça m'a l'air une mauvaise idée. C'est vrai que l'Autriche est membre de l'Empire et ça la protège pas mal. La Croatie, par contre, ne l'est pas. La Bohême est défenseur des protestants. Et ils sont alliés à la Bohême en plus, je crois. Celeille. Alliés à la Pologne. C'est beaucoup. J'ai pas grand monde à attaquer en Europe. Par peut-être la Moldavie. Ah, c'est allié à la Pologne. Mais ça n'empêche que je pourrais la manger facilement pendant ma guerre contre la Moscovie. Questionnaire d'espionnage sur Bahamani. Je fais traîner la guerre de Vijayanagara. J'ai tendance à le penser trop vite. Vijayanagara. En fait, c'est pas ça. Peu importe. Vous avez compris. C'est pas bloqué, ça. C'est en 89. J'avais pas. Ah, du coup, ils vont dire j'ai fini la guerre trop vite. Enfin, ils vont me demander de finir la guerre vite. Alors que c'est pas ce que je veux, mais. On a pas mal de provinces agitées. Ne les laissons pas faire. Leur siège. D'ailleurs, là-bas qu'ils vont. Usure 0-0. Faut que je me fasse des galères en mer Méditerranée pour pouvoir attaquer les petites îles. Fin de la trêve avec Bahamani. Considérer que ça c'est une région des plus stables, rarement occupée. Il y a peu de chances que les bateaux ne se finissent pas. La zone n'est pas. Bon, le clic souris n'est pas tout à fait bien positionné. Voilà, ce sera bien comme ça. Vous repartez. Je sais que je suis toujours en guerre, mais c'est pas dans cette région-là. Non, si, je peux. J'espère que les Chébecs, c'est pas des. Oh non. Je viens de lancer. Plein de bateaux et j'en ai bloqué de nouveaux. Prenons du prestige pour la musique baroque. Yémen attaque Monomotapa avec Mombasa. C'est les sunnites contre les fétichistes dans cette région. Ah si, Darfour, je peux le manger. Ça me fera pas trop de surexpansion. 9. C'est juste quand même. Bonjour, en même temps que son voisin. Et après, j'ai 3 armées pour la Moscovie. Envoyons-en une de plus. Ou alors. Ou alors 2. Parce qu'ils sont vraiment très nombreux sur cette province isolée. Si je peux leur tomber dessus au début de la guerre, je pense que c'est toute l'armée moscovite.
c'est leur capitale ou c'est juste ils se sont retrouvés coincés et puis voilà. Non, c'est Nijni Novgorod la capitale. Province qui est vraiment très chère. Très développée. Allez, on va pas attendre 80. Enfin, si, on va attendre 89. Fin du siège de Narjan. C'est repris. Ah, il réoccupe vite, dont l'objectif de guerre. Vous avez le droit d'attendre les Hongrois si vous voulez des renforts? Non, vous considérez que vous êtes super fort, vous avez raison. Mais c'est quand même pas la chose la plus prudente. Un point de stade gratuit. Je vais reprendre l'objectif de guerre. Le reste importe moins. Ah, j'ai des revendications à faire là-haut. Et après, j'ai accès à Yao et les autres pays d'Afrique. Sur lequel je peux prendre des provinces. Pas du tout productrice de soie, mais des provinces. J'attrape une armée. En voilà deux. On a quand même gagné. En faisant beaucoup plus de pertes que ce qu'ils nous ont fait. J'ai pas fini les revendications là. Presque. Allez, mai, juin. On n'a pas besoin de les tuer, on va juste le Darkfour en premier. Et tout le monde. Hop, j'ai pris 8% sur le Darkfour. C'est moins 47, 57, 66, 70. Ou alors, stratégie différente. Truc comme ça. Peu de surexpansion. Et je bloque plus ou moins le Yémen. Ils pourront quand même prendre, mais. Voilà. Et là, j'ai 3 ans pour faire ma guerre contre la Moscovie. En parallèle, on pourrait réattaquer le Yémen. On va réattaquer le Yémen. Sont alliés à Mombasa et c'est tout. Et on donnera la majorité des provinces à Dowazir. On va mettre une armée de chaque côté. On va récupérer cette armée-là aussi. Alors, mes bateaux. Petite stratégie, si vous avez des armées, vous prenez des bateaux, vous appuyez sur majuscule temporaire. Et après, vous le resélectionnez et vous sélectionnez tous les bateaux. Moins cela, rassemblez-vous. Pourquoi les Pays-Bas veulent passer? Ils sont en guerre au sein de l'Empire. Comptoir commercial. En Bizerta. Ils ont pris une province. Atlemcen. Tombouctou a une province qui d'habitude appartient au Maroc. On va attendre d'avoir 30 de réseau d'espionnage. Ils ont pris quasiment tout ce qu'ils pouvaient. Dang. Il est allié à Assam, garanti par Delhi.
Je comprends pas pourquoi ils garantissent tout le temps les gens d'élite. Ils savent pas que ils sont plus faibles que moi et que systématiquement, quand ils garantissent, je les attaque. Ils devraient avoir appris depuis le temps. Il reste des petites provinces. Alors, importation de café. D'éminents économistes s'interrogent sur la rapidité de l'augmentation des importations de café chez les Ottomans. Après que nos voisins sont parvenus, grâce à des pratiques commerciales particulièrement adroites, à contrôler la majorité des ressources mondiales en café, leur breuvage est devenu très populaire, y compris au sein de la population ottomane. Les protectionnistes en viennent à se demander si l'importation d'un tel bien de luxe présente le moindre avantage pour le pays, en arguant du fait que devenir dépendant de la marchandise contrôlée par un voisin affaiblit notre économie. Donc soit on dit à quelle heure vous vous levez, soit on prend un point de mercantilisme. On va prendre le point de mercantilisme à la place de moins d'agitation dans le pays. J'ai hésité tout en le disant. Moins d'agitation dans le pays, c'est bien. Non, on va limiter, c'est le choix raisonnable en quelque sorte à long terme. Qui aura le plus d'impact sur mon pays jusqu'à la fin de la partie. On doit avoir des nouvelles provinces dans le nœud de l'Éthiopie maintenant. Alexandrie, je contrôle pas encore tout, il reste des provinces Mamelouk. Faut que je fasse des revendications sur les derniers Mamelouk d'ailleurs. Alors, ça c'est fini. Question, quelle taille de province je prends? Je prendrais bien la province de Bolgar à 14. Ou alors, celle-là, elle est grosse aussi. Non, celle-là. Ah, je peux pas faire de revendication dessus. Parce que je prendrais pas les provinces à 27 ou des trucs comme ça. Mais il se pourrait que je prenne la province à 14. Je vais leur laisser 27, 34, 17 probablement aussi, 19. Bah, je vais voir ce que je peux prendre aussi. Rassemblons-nous. Je sais pas de quel point le chemin est le plus court. On va dire que c'est là. On va prendre moins d'agitation dans le pays. Ça calme quasiment tout le monde. Attend la fin de la trêve. La fin du mois. Et paf! 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague. Objectif, prendre Bolgar, c'est très bien. Bon, alors un peu plus de monde. C'est des rebelles. Soyons prudents et économisons nos soldats en envoyant encore un peu plus de monde. Nijni Novgorod, toi tu montes dans le nord, toi tu leur tombes dessus. Oh oh, c'est quoi cette guerre? C'est la Bohème qui est allée siéger là-bas. Ouh, ses alliés. Ah, il y a des bohémiens, non? Ça a bien l'air d'être ça. Waouh, waouh, waouh. Garder une si grande armée pour un tel résultat, c'est triste. Hein. Refusé. Comment ça se fait que Caradel soit en guerre contre Virian Nagara? Attaquant face à Bagal dans la guerre vie entre vie dans la guerre entre Vijayanagara Vijaya Vija, Vijayanagara doit avoir entendre autant de A que Antananarivo, capitale de Madagascar, qui est peut-être visible. Non, c'est juste une ville donc. Antakarana. Ah si, c'est là. Antemorio. Ça se trouve c'est le nom anglais, ils ont la flemme de convertir tous les noms des provinces qui ne l'ont pas appelé comme ça. Peu importe. J'étais en train de me demander pourquoi ils étaient en guerre, et la raison de guerre, il n'y en a pas, visiblement. Ati. Score de guerre, objectif, l'agresseur maintient son blocus des ports.
Ah ouais, je peux pas passer. Allons voir là-bas si jamais il y a des rebelles. Ce serait bien qu'ils fassent la paix avec la Transoxiane si ça doit faire une éternité qu'ils sont en guerre. Pas très loin d'une éternité. Ce serait bien pour eux, après pour moi. J'hésite encore. Je me tâte alors à offrir le passage et donc la possibilité de conclure ce conflit. C'est où ça? Très très loin. Il reste beaucoup de peuples indigènes, même si la Nouvelle-Castille a pris beaucoup de terrain. Et le Mexique anglais un petit peu. Fin du siège de Kazan. Arrêtez-vous là, vous. Vous ne serez pas nécessaire. Coupons plutôt l'armée en entier. Soulèvement dans notre paisible colonie. Les colonies sont plus paisibles que le reste de mon pays. Fin de la trêve avec le Yémen. Eh bien, le Yémen, c'est le moment d'avoir peur. Ils se sont fait prendre des territoires Kaffa par le Yémen? Pas du tout. Pas récemment. Ces territoires à eux, mais qui ont été légitimés depuis. Déclarer la guerre dans le but de prendre Gilan. Bon bah ça viendra. Ça ne me fait pas peur. C'est parti. Je préférais que mes alliés aillent aider là-bas. C'est déjà fini côté Moscovie. Fin du siège de Nijni Novgorod. Et j'en suis seulement à la moitié. Voyons déjà ce qu'on peut demander. Qu'est-ce que je revendiquais? On va prendre ça, ça. Oh, ça là c'est une vraiment grosse province. Ouais, on peut demander ça. Ça les fragmente vraiment en petits éclats. Mais est-ce que je m'en soucie? Pas vraiment. Après, ils sont en 4 morceaux. Ah, quoi que, ça dépend. Si j'ai revendiqué cette province-là, on va plutôt prendre celle-là. Que 3 morceaux. Pas comme si c'était très important. Si je leur laisse ces deux-là. Non, pas très intéressant. On va prendre ça. En attendant. Prévoyez une longue marche jusqu'en Inde, jusqu'à la Transoxiane. J'ai changé mon avis. Et on recommence le réseau d'espionnage. Ils ont beaucoup de provinces plus basses. On va demander une province à 7. L'objectif restant toujours le même, qu'on demande que je revendique les provinces les plus hautes en développement que parmi les provinces que je prends. Sachant que si jamais il y a des vraiment très grosses provinces, je les prends pas. Ah, c'est vrai qu'il y a la Moldavie aussi. Eh bien, la Moldavie, j'écrase votre armée. Pas de rebelles, pas de témoins, et je vous dévore. Et la Moscovie, ah mince, il me faut quelqu'un. Annulant sur Delhi pour l'instant. On est garde. Je sais pas trop ce qu'il a rendu le Bengale. Cette province-là peut-être. Celle-là aussi.
Et maintenant, les membres de la coalition qui travaillaient tous ensemble se tapent dessus. Jusqu'au dernier. Hé. C'est qu'on tient nos forts, nous. Il m'échappe pour aller en Mandefra. Attendons-le. Conserve une certaine modestie. J'ai déjà eu cet événement. C'était une bataille un peu compliquée. On va s'approcher des autres armées qu'on a. Je vais avoir besoin de points. Point, point, point. Ça avance, ça. Ouais, par contre, il y en a un avec qui je pouvais faire la paix. C'est la Moldavie. Ah oui, je voulais voir. Combien ça fait de surexpansion? Est-ce que ça entraîne des Européens? Visiblement non. 21. Je sais pas de combien ça touche. Allez, la Moldavie, ça faisait très longtemps qu'il méritait la mort. Enfin, qu'il méritait la mort. J'y vais peut-être un peu fort. Qu'il méritait l'intégration dans mon pays. Plus j'ai accepté les Roumains. Est-ce qu'on pourra attaquer? Oui. Après, il restera à barre à faire comme siège. N'attendons pas. C'est des montagnes, ils vont prendre très très cher. Ouais, un petit stack wipe d'armée. Colonie. À chaque fois que je vois un soulèvement, je me dis est-ce que par hasard, y a pas des trucs à faire dans les colonies? La plupart du temps, il n'y a rien à faire. Fin d'un siège. Pas cette province-là que je voulais, si. Faudrait que ça siège quand même. Conversion terminée. Fin d'un autre siège. Ah, c'est donc on va envoyer tout le monde. Vu que l'autre armée remonte. Paix de la Moscovie, je n'en veux pas. Je ferai ma paix quand je le souhaiterai. Ouais, plus vite qu'eux. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Non, là, ils ont eu de la chance. C'est dément ce qu'ils ont eu de la chance. 80, beaucoup trop de points militaires. Faut que je les dépense. On pourrait. J'hésite, on peut dépenser un coup par là. Bolu. C'est des provinces un peu plus ou moins pauvres par là, mais. Sinon, Constantine peut-être, c'est là. C'est vraiment beaucoup par contre. Biga, ça coûte que 63. Je pourrais les rebooster. Là, il n'y a que 44 de points. Voilà. C'est des Turcs. Je me dis qu'il vaut mieux que je développe des provinces turques. Comme ça, on reste une majorité turque. Les Grecs, je les ai aussi beaucoup développés. Et n'empêche, ils ont 16% de mon pays. C'est 40% de mon pays. Enfin, des États que j'ai. Il y a beaucoup plus de cultures que d'États. Ceux qui sont dans les compagnies commerciales, dans les comptent pas. Mais eux, ils représentent un gros gros pourcentage, suivi par les Syriens, Géorgiens, Criméens, Serbes, Bulgares, Roumains. Bédouins, ils ont 1%. Je pense que c'est parce que la plupart du temps, j'ai pas créé les États. Pourtant, il y a des États vachement riches. Après, je sais pas si les créer me rapporteraient beaucoup plus. En impôts, oui, pas en production. Alors, ça, c'est le signal. La paix. Grosso modo, faut que je laisse 7%. Je crois que je laisse plus que ça.
What? Ça fait pas. C'est trop bizarre. Bon, on va demander 103 si on peut demander 103. Fonction de si mais je fais shift-click ou juste clic plus, ça fait pas la même chose. En plus, j'ai reçu le 133. Tout légitimé. Sont toujours trop gros pour une guerre alors qu'ils font 1, 2, 3, 4, 5 provinces. 6, 7 en fait. Transoxiane, si je vous laisse passer, vous êtes content. Ils veulent même plus l'accès. C'est des petits fous la Transoxiane, des petits fous, moi je vous le dis. On va revendiquer cette province aussi. L'Afghanistan a toujours. Si j'étais un adversaire et que je voulais prendre des territoires dans l'Ottoman, je me ferais un vassal de l'Afghanistan. Deux provinces très riches. Et énormément de revendications. Renonçons à la province. Mais il est très nul. Bon, ça arrive, hein, les héritiers nuls. C'est un fléau qui peut s'abattre sur nous à tout instant. Le pauvre. Il est tout juste né. Enfin, non, c'était peut-être. Si, il est tout juste né et on doute déjà de ses capacités. Faut dire que je sais pas. Son père est tellement, tellement bon que. Faire aussi bien, c'était déjà un sacré défi. Non, restons là. Go, 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 l'autre armée. C'est gagné. Le Yémen est pas tout à fait persuadé qu'il a perdu. Convainquons-le. Convainquons-le. Alors l'armée de 24, elle reste là. Et l'autre, on va faire un gros groupe capable de siéger Mombasa. Guerre civile à Dang. C'est petit. Je me demandais comment il avait fait cette conquête. Par retour de province légitime, ça paraît très logique. J'ai mon gang à attaquer, moi. Il est gros, il est probablement pas très puissant, mais il est allié à Langzang et à Mongtai et à Caradel. Je l'attaquerai bien en co-belligérant avec Langzang. Est-ce qu'on s'en prendrait pas à Delhi une fois de plus? Pas tout de suite. Dang, allié Assam, garanti par Delhi. Garanti par Vijayanagara, allié à Caradel. Sinon, j'attaque Vijayanagara. Puis tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à pas garantir leur Bahamani. Ah, Bengale et Vijayanagara en fait sont très loin. Je pensais que c'était Bahamani, mais pas du tout. Là on est point. Oh, ça convertit vite là. Regardons en fonction du pourcentage de 53. Là il y a un palier. Bosna. Convertissons. Ça n'était pas vraiment prévu. L'un refusé.
Je me suis rendu compte qu'on entendait un peu la soufflerie de mon ordinateur dans mon micro. Ça fait un son d'arrière-plan quand même assez présent. J'en suis désolé. Mais en même temps, j'ai pas de moyen d'y remédier. Oh, on les a croisés, j'ai bien fait de mettre le général. Ils ont gagné leur guerre, à mon avis. Ah, ou alors ils ont fait paix blanche. Sakalva a perdu à un moment ou à un autre des provinces là-haut. Des Néerlandais, des Portugais, des Espagnols. Ayutthaya est en guerre face au Bengale. Bah, désolé. Je ne vous aiderai pas. Bon, bah, ça c'est tombé. Je pourrais peut-être même demander des provinces. C'est très loin. Et ça me fait un pont vers Sakala. Et des provinces à coloniser derrière. Donc je prends. Oh, j'ai pas du tout regardé. Oh, en plus ça rentre pile dans la surexpansion que je peux me permettre de prendre. Alors, est-ce qu'on leur fait peur? Ouais, et là on leur tombe dessus sur cette province-là. Bon plan. Voilà, Yéménite encore battu. C'est récurrent chez eux de perdre. On est à 89. Alors place gérée à la pointe. J'ai plus tellement besoin de score de guerre. J'affronte leur armée parce que c'est marrant. Ou alors ici, je crois qu'ils préfèrent se réparer ici. Pour une raison qui m'échappe. Et voilà. Alors. Demandons peu pour moi. Ou alors. Déjà. Tu vas donner province que je n'ai pas revendiquée à Tawassir, c'est-à-dire ces provinces-là. Et après, on va probablement donner à Tawassir des provinces de ce côté-là. Tawassil. Je prendrais bien cette province-là en revanche pour me faire une frontière. Je peux, sans souci. Ça, tu donnes à Tawassil. Ça aussi, ça encore. Donc, finalement, on va occuper un peu plus. Peut-être lui donner toute la côte. Ça se trouve même un peu plus, donc déplaçons notre troupe. Celle-là, c'est des revendications permanentes, donc on va les garder pour une autre fois. Ou alors je peux en prendre une petite. Ça me fait 12, 87, c'est tout juste bon. Ok. Doualassir. Tawassir plutôt. Tawassir. Et Tawassir. On s'arrête là. Moi je prends 12, ça fait beaucoup d'expansion agressive avec beaucoup de gens. Beaucoup sur le Yémen qui est déjà à 700. Gujarat, Bengale, ils sont déjà énormément. On peut passer les 1000, je savais pas. Seul souci, on n'a pas de lien. Là je me rends compte que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû demander un lien même si on n'a pas le détroit. Je ne l'ai pas fait. Tant pis. Il faudra qu'on refasse une guerre contre eux. Prochaine guerre. Mamelouk peut-être? Pas possible pour l'instant. Tougourt.
pas possible pour l'instant. L'Autriche. Oh, la Pologne, on est assez haut. On va éviter, vu qu'on est très haut de la Pologne, très près de la Pologne. Enfin, très près des 50% avec la Pologne. Transoxiane pour vous. Alors, rassemblez-vous, genre là. Et après, allez-y tous ensemble. Comme des grands. Vous, messieurs, mesdames, restez de ce côté-là. Toi, tu vas également aller jusque-là. Je veux pas qu'ils aillent sur la fameuse zone où je peux pas passer. Alors, pour continuer les conversions, faisons celle-là, elle est très rapide. On est à 100,03. On va dire que c'est bon. Vijayanagara. Cible du moment ou Transoxiane? Transoxiane, on va dire. Est-ce que j'ai revendiqué cette province-là? Je vais finir par la prendre, hein. Ça ne va pas pouvoir tarder indéfiniment. Je pourrais l'attaquer tout de suite, sachant que la majorité de mes revendications seront finies en 94. Demandons qui va. Prenons le super général ici. Oh, j'ai trop de monde là. Et le moyen de ce côté-là. Deux batailles de gagnées. Deux batailles de fait, deux batailles de gagnées, tout a l'air très normal. Ils ont beaucoup de soldats normalement. Ah, ils s'enfuient. Ah, ou alors ils vont chercher, mais. J'ai envie d'attaquer les indigènes par mesure de sécurité. Ou alors on va dire que ça ira. Ils viennent pour moi là? Ils vont en saccageant. Pas sûr, non, ils occupent. Ça doit cailler là-bas. De la position géographique. Je suppose qu'il fait froid. Oh non, je voulais arrêter l'enregistrement, j'avais vu le temps et tout, et j'ai pas fait gaffe. Bon, ça fait un autre épisode de presque une heure. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour la suite.